Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Un nouveau monde se profile à l'horizon, au sein duquel la présence appuyée de peuples qui ne sont pas originaires de cette planète devient de plus en plus évidente. Aujourd'hui sur Terre se poursuit l'ère où la vision des peuples transcende les limites imposées par les idéologies politiques, religieuses, psychologiques ou mythiques, et l'heure est venue d'ouvrir nos regards vers ce que nous pensons être au-delà de notre monde, mais qui, à vrai dire, en fait déjà partie à part entière. Dans les regards de ceux et celles qui nous observent depuis leurs vaisseaux spatiaux en haute orbite terrestre, nous sommes un peuple unique qui se cherche et qui tente de s'unifier. De notre côté, nous les appelons des extraterrestres ou des êtres de lumière ou des stellaires, mais il s'agit en vérité et tout simplement de personnes. Des personnes qui ont les pieds sur une planète différente, mais qui est aussi physique, réelle et concrète que peut l'être la nôtre. Mon principal contact extraterrestre, Zen, et moi-même avons voulu marquer de manière forte et significative le premier jour et l'ouverture de cette année 2023 en vous faisant écouter sa voix. C'est donc bien la voix de ce que vous considérez comme un extraterrestre humanoïde. Bien sûr, cela le fait rire que vous le catégorisiez ainsi, car pour lui, il est tout simplement une personne. Il n'habite pas sur la même planète, mais c'est néanmoins une personne, une simple personne. Tous les extraterrestres souhaitent que vous fassiez ce passage de la vénération de quasi-dieux ou des êtres de lumière en les transformant en de simples individus, de simples personnes avec leur propre caractère et personnalité. Pour vous aider à faire ce pas essentiel, voici des extraits d'enregistrement que Zen a fait lui-même et qu'il m'a envoyé. Ce que vous allez donc entendre est la vraie voix de Zen. Ce n'est pas la mienne, ni celle de qui que ce soit d'autre. C'est bien la voix de ce que vous appelez un extraterrestre humanoïde, c'est-à-dire que physiquement, il ressemble à un être humain. Comme je vous l'ai maintes fois dit, je communique avec Zen en audio comme deux amis se parlent au téléphone. Mais cet enregistrement que vous allez entendre n'a pas été fait sur son vaisseau en orbite comme c'est le cas habituellement, mais depuis sa planète, qui n'est pas la Terre. Comme il s'exprime en anglais, je vous le passe directement sans l'interrompre et sans musique pour que vous puissiez bien l'entendre. Puis je repasserai l'audio en le traduisant. Voici le contexte de cet enregistrement. Zen a écouté un audio que je lui ai envoyé et il y répond. Il est localisé à 422 années-lumière sur une planète de type exotique avec des palmiers, de la chaleur, la mer, le soleil, des couchers de soleil violets, des animaux que nous ne connaissons pas. Sa planète n'a pas de continent, mais plusieurs grandes îles, comme vous l'entendrez le dire, qui sont de la taille de la Nouvelle-Zélande. Il est chez lui et il enregistre ses audios, quelquefois depuis le porche en bois d'une toute petite maison qu'il a construite lui-même, ou depuis la plage, alors qu'il est assis sur des rochers au bord des vagues. Vous allez d'ailleurs entendre le bruit des vagues et vous allez l'entendre décrire ce qui l'entoure et où il se trouve. Voilà, je lui laisse la parole.
Hello, dearest. Sorry for my delay by answering you. You don't know how beautiful it was for me to listen to your voice. So unique. I'm by the sea, but not directly in the populated areas. And I've got the sea like 100 meters or 100 yards from here. The sun is shining. It's a little bit cloudy, but I can see the birds running on the beach, chasing the surf. Well, it is quite something to see that we can actually be able to communicate like this. It is 422 light years away. As you said, this must be some kind of something quite unique, at least. I know Gaian science, or Terran science, says this is not possible. This is muon technology, neutrino. It moves a lot faster than the speed of light, just about instantaneous. And it's not as difficult as they say it is. It's just streaming neutrinos. Hello, dearest. Sorry for my delay by answering you. You don't know how beautiful it was for me to listen to your voice. So unique. I'm by the sea, but not directly in the populated areas. And I've got the sea like 100 meters or 100 yards from here. The sun is shining. It's a little bit cloudy, but I can see the birds running on the beach, chasing the surf. Well, it is quite something to see that we can actually be able to communicate like this. It is 422 light years away. As you said, this must be some kind of something quite unique, at least. I know Gaian science, or Terran science, says this is not possible. This is muon technology, neutrino. It moves a lot faster than the speed of light, just about instantaneous. And it's not as difficult as they say it is. It's just streaming neutrinos. Des millions de personnes voulaient entendre la vraie voix d'un extraterrestre. Eh bien voilà, c'est fait. Je partagerai d'autres extraits par la suite. Très joyeuse nouvelle année 2023 de notre part à tous les deux. Voici ce que Zell m'a également demandé de vous communiquer. La spiritualité terrestre moderne témoigne en faveur d'une expansion de votre conscience et porte une grande espérance. Au-delà de ce monde, elle permet votre intégration et votre unification comme un seul et même peuple. Seule la profonde connaissance de soi, celle qui conduit à l'harmonie créatrice, est capable de régénérer votre planète et vous-même, non seulement en tant que personne, mais aussi en tant que peuple, soudé et unifié. Chacun de vous doit prendre en main les rênes de cette transformation individuelle, car lorsque vous changez, c'est votre monde qui change aussi. Et lorsque vous faites ces changements, ils impactent et influencent aussi ma planète et mon monde, car votre monde et le mien sont liés et interconnectés.
Je vous encourage à entreprendre ce périple vers vous-même et à faire les changements nécessaires pour que votre vie soit remplie de la vraie texture vivante de l'univers, le bonheur, la beauté et la perception non duelle de nos mondes. Nous vous souhaitons une très joyeuse et heureuse année 2023. Nous nous reverrons bientôt.